Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? Avant de continuer cette vidéo, nous avons envie de vous dire un truc. Mes frères et sœurs, dans cette vidéo, vous verrez sans doute des images qui vont vous choquer. Mais soyez forts, ne soyez pas choqués, ok? Que Dieu vous donne la force de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire mes frères et sœurs pour vous enrichir? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire juste pour devenir riche? Serez-vous prêt à travailler dur, à travailler à la sueur de votre front et atteindre le niveau que vous souhaitez? Ou encore à suivre le chemin de la facilité et à faire des choses mauvaises comme des crimes, des vols, tout ce que vous connaissez, juste pour vous enrichir? Ou encore à passer par un moyen insolite, que le moyen le plus mauvais que nous puissions découvrir, juste pour vous enrichir, c'est-à-dire faire des rituels, juste pour vous enrichir. Mes frères et sœurs, n'acceptez jamais de participer à des rituels, juste pour vous enrichir. Et ici, nous allons parler de l'argent du rituel. Nous allons découvrir des gens, malheureusement, qui sont tombés dans ce piège-là et qui sont allés même jusqu'à commettre la chose la plus grave qui puisse exister. Les images que vous allez voir vont vraiment vous étonner. Peut-être que vous avez entendu parler, mais vous n'y croyez pas vraiment. Mais ici, Seigneur Scribon, nous travaillons dur pour vous montrer les images qu'il vous faut. Pour ne pas tomber dans de tels pièges, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Et cliquez sur j'aime quand vous serez touché par les images que vous allez voir ou encore par ces informations vraiment mauvaises. Ça, ce sont des nouvelles à ne même pas vraiment accepter, quoi. Oui, mes frères et sœurs, nous allons au studio. Soyez prêts, ça va être extraordinaire. Nous profitons de cette belle opportunité pour vous dire que nous avons trois autres chaînes. En cliquant sur Nyan Scribon de cette vidéo, vous allez sur notre page d'accueil. Vous allez voir Nyan TV, Nyan Scribon 2, Nyan Scribon 3. Abonnez-vous également sur nos trois autres chaînes. Ok? Voilà. Là, nous allons au studio. Les équipements sont en train de se mettre en position. Et pendant que nous parlons, nous préparons les images. Voilà. Vous allez voir de vous-même tous ces éléments. Ok? Donnez-nous quelques secondes. Regardez juste cette vidéo. Voilà, on espère que tout sera en position, tout en position. Et regardez maintenant ça. Waouh, mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous voyez quelque chose? Regardez bien. Là, la caméra va se rapprocher. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une femme. Elle est tellement dépassée par les événements qu'elle ne peut vous montrer son visage. Et chez nous, quand on a la tête baissée comme cela, c'est qu'on a commis quelque chose qui est impardonnable, qui est abominable. La question que vous allez sans doute vous poser et que nous nous posons même là maintenant, c'est qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle fait au juste? Mes frères et sœurs, regardez juste là. Ça, c'est une information pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, nous on va la retrouver. Pour de l'argent, pour beaucoup d'argent, les gens sont prêts à tout. Et même plus prêts que prêts. Ils sont prêts à tout. Regardez ce qu'on lui a proposé. Beaucoup, beaucoup d'argent. La richesse, beaucoup d'argent. Tout ce qu'il nous faut, juste pour devenir riche toute sa vie. Et elle était prête à tout. Mais ça commence par quelque part. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? On voit des cadenas qui sont là. On voit un canari. Une bougie rouge allumée qui se trouve carrément sur une calebasse. Et un couteau juste là en bas. Selon vous, à quoi ça va servir? À quoi est-ce que ça va servir?
Nous allons vous dire, mes frères et sœurs, nous allons vous dire que ça va tout simplement servir à faire un rituel. Regardez bien. C'est réel. Et quel genre de rituel? Regardez ça. Regardez ce qui va venir. Soyez fort maintenant, mes frères et sœurs. Ici, que voyez-vous? Regardez là, on va pas rapprocher la caméra parce que c'est pas bon. Et pour faire que vous voyez ça, même l'air, ça quand même plus fou, même l'air. Parce que ce que vous voyez dans la main ici, c'est une partie d'un humain. C'est le cœur. Le cœur humain. Juste pour faire le rituel, les gens sont prêts à tuer. Regardez. Oh mon Dieu. Comme c'est triste. Comme c'est triste. Tu es devenu riche, tu décides de tuer un humain. Mes frères et sœurs, prions pour nos frères et sœurs, prions pour nos amis, prions pour nos enfants. Que Dieu les protège. Quand les enfants vont à l'école, prions pour eux. Parce que même à l'école, ils ne sont plus à l'abri. On a appris qu'il y a des professeurs qui ont violé leurs enfants, plutôt les élèves, qui ont fait ces choses bizarres. Et personne n'en parle. Mes frères, ces choses sont réelles. Il y a même des crimes. Mais ton enfant a disparu, on ne sait pas où il est allé. Voilà. Juste à cause de l'argent. À cause des billets de banque. Matin, midi, soir. À la télévision, les gens chantent sur l'argent. Combien de fois l'argent, c'est une bonne affaire? On dit, oh, sans l'argent, non, mais rien. Sans l'argent, tu ne peux acheter un smartphone. On dit, sans l'argent, tu ne peux acheter un smartphone, un portable, ni faire quoi que ce soit. Mais ce qui est sûr, c'est que voici ce qui est derrière tout ça. Ou voici ce que le diable pousse à faire. Cette histoire est devenue un piège pour l'humanité. Faites attention. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, mes frères et sœurs. Si vous êtes touché ou que vous n'avez pas compris, cliquez sur j'aime. Cliquez sur j'aime. Maintenant, vous allez voir pourquoi nous avons montré cette image-là à l'introduction. Regardez-là. Waouh! Là, vous pouvez clairement voir. Que voyez-vous? Ici, on voit une femme. De l'autre côté, ici on voit une femme et de l'autre côté on voit un fou. Je dis bien, un fou, il est fou. Il est fou. Regardez là. Quel est le lien entre cette femme qui est là et ce fou? Ou qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour qu'elle puisse être si triste? Posez-vous de vraies questions, mes frères et sœurs. Ce qui s'est passé entre les deux pour que cette femme soit triste, c'est que cette femme que vous voyez ici, elle a carrément fait un truc qu'elle ne peut pas vous le dire en face. Mais il faut que nous vous en parlons, vous racontons cette histoire pour que vous ne puissiez pas tomber dans cette histoire, de ce problème. Vous voulez qu'on vous dise, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez entendre ce qu'on va vous dire? Est-ce que vous voulez entendre? Mes frères et sœurs, vous allez voir combien de fois le monde dans lequel nous sommes est dangereux et que le diable est vraiment là. Cette femme que vous voyez ici, là, elle a été trompée par Satan, ne la jugez pas. Elle a été trompée par Satan. Et le diable lui a demandé de coucher avec un fou. Et quand elle va le faire, elle va devenir riche après le rituel qui va être accompagné. Et elle y a cru. Elle s'est lancée dans ce chemin-là. Et regardez finalement ce que ça donne. Ça donne ça. La question que vous allez sans doute vous poser, c'est mais que s'est-il réellement passé à son niveau? Que s'est-il réellement passé là pour qu'elle soit si triste? Ce qui s'est passé, mes frères et sœurs, c'est qu'on l'a attrapée. Elle a été attrapée. Et l'histoire est toute connue. Mais pourquoi le diable ne lui a pas dit qu'on allait l'attraper? Pourquoi le rituel ne lui a pas dit que ça allait mal tourner? C'est parce que dans ce genre de choses-là,
il y a des conséquences. En tout cas, c'est un risque que les gens prennent. Ils mettent leur vie en danger. Si elle a réussi à coucher avec ce fou, c'est qu'elle va ramasser tous les démons qui se trouvent en ce fou. Parce que vous devez savoir un truc. Un fou est possédé, mot par mot, hein, un fou peut être possédé par un ou plusieurs démons. La plupart du temps, les fous sont remplis de démons. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de démons. Et quand le diable demande à ces gens-là d'aller avoir des rapports sexuels avec ces fous, c'est juste pour que ils puissent prendre tous les démons qui se trouvent en les fous là, dans les fous là. Juste ça. Ramasser tous ces démons là pour les positionner en eux. Juste pour devenir riche. Et ça fait partie du rituel. Regardez ça. Est-ce que vous voyez? On va rester là juste à distance. On va pas vous montrer l'image de près. Ah! Qu'est-ce qu'on voit? On voit un cabri qui est là en noir. Et un humain, un homme. Est-ce que c'est un petit? C'est pas un petit. Regardez même comme il est. Regardez sa poitrine. C'est un tonton. C'est un monsieur. Et regardez ce qu'il fait. Lui aussi, ils l'ont surpris en train de faire quelque chose de grave. Et la chose qu'il est en train de faire là, vous savez quoi? Mais regardez vous-même. Il était tout simplement en train d'avoir des rapports sexuels avec un cabri, un animal. Et comme Dieu ne doit pas, le cabri s'est mis à crier au point où tous les voisins sont venus et les gens l'ont attrapé. Les gens l'ont attrapé. On l'a attrapé dans cette histoire, dans ce mouvement-là. On l'a attrapé. Qu'est-ce qu'il va dire pour se défendre? Qu'est-ce qu'il va dire maintenant pour se défendre, mes frères et sœurs? Que va-t-il dire? Que va-t-il dire? Hein? Mais ce n'est pas tout. Un homme n'a pas été attrapé. Mais il a couché avec une chèvre. Ou il pourrait dire un mouton. La femelle du mouton. Et ça donnait quoi? Ça donnait un bébé. Est-ce que vous voulez voir? Regardez. Si vous pensez que c'est de la blague, tout ce que nous sommes en train de vous dire là. Regardez ce que ça donne. Juste pour être riche. Juste pour être riche. Ah! Regardez. Nous vous avons prévenu que ces images que vous verrez ici seraient vraiment dures, mes frères et sœurs. C'est avec tristesse que nous vous montrons toutes ces histoires. Regardez. Juste pour être riche. Juste pour être riche. Mes frères et sœurs, c'est grave ce qui se passe dans ce monde. Mais ce n'est pas tout. Dis à ton ami qui est à côté, ce n'est pas encore fini. Dis à ta camarade qui est à côté, ce n'est pas encore fini. Vous lui dites que ce n'est pas encore fini. Ce que nous allons découvrir sur notre bon, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mes frères et sœurs. Il ne manque pas de vous abonner également sur nos trois autres chaînes appliquant sur notre bon sur cette vidéo. Mes frères et sœurs, ça va être chaud. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Que voyez-vous à l'écran, s'il vous plaît? On voit deux personnes. Mais cette image vient juste pour vous dire qu'il y a des gens qui sont même prêts à avoir une femme spirituelle. Une femme spirituelle. Juste une femme spirituelle. Hein? Une femme spirituelle qui va tout simplement les enrichir. Ça, c'est une sirène. C'est une sirène. Vous voyez comment elle a la queue de poisson. Et tout ce que vous pouvez voir. Et c'est l'amour pour eux. Et cette personne, toi, ma soeur, tu vas rencontrer une telle personne dans ta vie.
Et cette personne-là va te dire des choses bizarres sur ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Elle peut te dire que oh, toi, tu vas rester avec moi, tu vas jamais avoir d'enfant avec moi. Ou bien chaque jeudi, toi, tu vas quitter la maison juste pour que lui, il puisse passer du bon temps avec sa demoiselle. Et c'est de là que lui vient sa richesse. Mais regarde vous-même. Est-ce que c'est une histoire d'amour? Mes frères et soeurs, si vous avez envie d'avoir une femme, choisissez une femme naturelle et non une femme spirituelle. Ça, c'est des démons qui vivent dans l'eau. Dans l'eau. Mes frères et soeurs, faites attention. Vous pouvez dire que les sirènes n'existent pas, c'est possible. Mais cette image va vous étonner encore. Regardez ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, on peut se rapprocher. Mais regardez ça. On voit un homme, un pêcheur, qui a, on ne sait pas comment il s'est arrangé, mais il a capturé une femme à moitié poisson. Regardez ça, la queue de poisson, même tout ça. Mais frère et soeur, il y a même de le filet un petit poisson, il est ici. Peut-être deux poissons, mais juste à côté. C'est que cette femme a été prise au piège par ce filet. Mais comment ça se fait? Depuis quand Dieu a-t-il créé une femme pour la mettre dans l'eau? Depuis quand? Mes frères, je jamais donne. Si vous êtes touché comme moi, que vous n'avez pas compris que si j'aime, faites-le. Ainsi, nous saurons combien de personnes ont été touchées par cette vidéo. Et partagez la vidéo maintenant. Beaucoup de personnes doivent voir. Il y a des gens qui n'y croient pas. Regardez, regardez, regardez ça. Regardez ça. Partagez au maximum cette vidéo. Partagez au maximum cette vidéo. Ah, abonnez-vous aussi. Mes frères et soeurs. Mais c'est hallucinant. Et ça. Ça existe. Ça existe. Et vous allez voir que pour devenir riche encore, les gens vont même plus loin que loin. Ce que nous allons vous montrer là, beaucoup de personnes vont dire, ah, là vraiment, il y a ce bon, ça devient grave. Il y a des footballeurs. Sur il y a ce bon ici, ils nous ont raconté combien de fois eux, ils sont passés partout juste pour devenir riches. Et bon nombre parmi eux ont été obligés de coucher avec leurs cousines, même leurs propres soeurs. C'est-à-dire avoir les rapports sexuels avec leurs propres soeurs juste pour devenir riches. Parce que c'est ce que leur rituel a demandé ou que leur futur a demandé. Tous sont allés dormir au cimetière avec des cadavres, des femmes mortes qui ont été déterrées mystiquement. Et eux sont tous simplement allés dormir avec elles. Et de ce que nous allons vous montrer maintenant, nous allons voir quelque chose de vraiment grave. Un homme qui va juste coucher avec sa propre mère. Regardez le camp. Est-ce que vous voyez quelque chose se fouetter? Dieu soit loué que ce soit fouetté même. Parce que c'est grave. Regardez. Il est ici. Avec sa propre maman. Sinon, au pire des cas, il va le coucher avec la maman de la femme. Jean-Louis vient se marier à toi et il couche avec juste la maman à sa femme, la mère à sa femme. Et ça fait partie aussi, ça peut faire partie aussi du rituel. Est-ce que c'est ce que vous voulez, mes frères et soeurs? Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Si une chose est bonne, nous vous parlons de toutes ces choses. Et combien de fois les gens sont prêts à faire des trucs pareils? Beaucoup de personnes pensent que c'est de la blague. Et qu'on dit juste là pour rigoler. Mais regardez vous-même ce qui se passe. Et ce que vous venez de voir ne doit pas rester entre nous. Vous devez partager au maximum cette vidéo.
Regardez, ça c'est quelqu'un qui est mort, il tue quelqu'un juste pour prendre une partie de son corps. Excusez-moi. Souvent même là, c'est la partie intime des gens, ils arrachent. Il y a une image que nous ne pouvons pas vous montrer, mais des gens ont attrapé une femme. Ils l'ont violée et ils l'ont tuée. Carrément. Pour leur rituel. Et une seule chose apparaît à chaque fois. L'argent du rituel. Regardez. Maintenant que vous avez eu tout cet argent, qu'allez-vous faire avec? Vous aussi, vous n'aurez pas la paix. Est-ce que entre nous, mes frères, Dieu va laisser ça? Entre nous, toi-même qui parles, mon frère, est-ce que tu vas laisser ça? Même celui-là même qui a été tué, là, son esprit ne va pas pardonner ces gars-là. Son esprit va se lever. Dieu doit faire quelque chose. Ah! Mes frères et sœurs, voici dans le monde dans lequel nous sommes, c'est ça. Juste pour lot of money, beaucoup d'argent comme ça. Est-ce que vous voyez? Regardez, juste beaucoup d'argent. À cause de ça seulement. Si nous avons fait cette vidéo, ce n'est pas pour vous dire d'aller faire la même chose. C'est pour vous prévenir que ces genres de choses existent. Il y a des gens qui sont tombés dans un piège. C'est un piège qui a été tendu par le diable et ils étaient contraints de faire. C'est comme une fille. Elle voulait devenir riche. Elle allait voir sa camarade. Sa camarade dit, oh, ok, si tu veux me devenir riche, puisque tu me demandes à chaque fois comment je fais pour devenir riche, je vais te montrer. C'est ainsi que sa camarade l'a envoyé chez un féticheur. Quand elle est arrivée chez le féticheur, cet homme mystique-là, ils ont fait apparaître un miroir. Un miroir, comme ce miroir qu'elle a là-bas. On leur a dit, mais c'était un miroir mystique. On leur a dit, pour t'enrichir là, toi tu vas tuer quelqu'un. Et la personne que tu as tuée va apparaître dans ce miroir. Quand tu vas lancer le caillou sur le miroir, qui que ce sera sur le miroir, quelle que soit la personne, quand tu vas lancer le caillou là-dessus, cette personne va mourir. Et dès que cette personne va perdre la vie, toi tu vas devenir riche. Pendant que nous, Seigneur, nous sommes en train de travailler dur. Toi, ta manière de travailler dur, c'est de tuer les gens. Juste pour t'enrichir. Et cette fille-là, elle voulait devenir riche juste pour aider sa maman. Mais là, elle a été piégée par le diable et on lui a demandé de le faire, sinon elle-même, elle allait devenir folle. Pour ne pas mourir, elle a décidé de lancer le caillou sur le miroir. Quelque temps plus tard, sa maman est tombée malade. Quand sa mère est tombée malade, elle était devenue riche déjà. Parce qu'après ça, elle lui a donné de l'argent, beaucoup d'argent. Et c'est cet argent-là qu'elle a décidé d'utiliser pour enterrer sa mère dignement. Pour enterrer quoi? Pour enterrer qui? Pour enterrer sa maman dignement. Dans un joli cercueil. Vous voyez combien il y a du mal dans l'homme? Vous voyez combien il y a du mal dans l'homme? Un membre de ta famille va dire que lui veut devenir riche. C'est à ce moment que ce dernier va se lever pour aller chez un féticheur. Dès qu'il va arriver là-bas net, un miroir va apparaître. On lui dit que toutes les personnes qui vont apparaître ici là, en tout cas, une personne va apparaître, quelque soit qui que ce soit, il faut le se pour tuer la personne. Mettons vous, si vous n'êtes pas chrétien, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez être athée, malheureusement. Vous allez être athée par ça. Tu vas mourir car tout. Oh, il suffisait juste d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Et de lire beaucoup la parole de Dieu. Ceux qui ne tombent pas facilement dans ce genre de piège-là. Vous savez, c'est quel genre de personnes? Ce ne sont pas des gens qui sont riches, qui sont juste spéciales. Hein? Non, ce ne sont pas des gens qui sont juste spéciaux. Ce ne sont pas des gens spéciaux. Ce sont juste des gens qui ont décidé d'avoir la crainte de Dieu, d'écouter la parole de Dieu et de suivre le conseil de Dieu. Lis Deutéronome 28. Deutéronome 28, c'est la parole de Dieu. Si tu as besoin de devenir riche, si tu vois que ça va t'aider, et que toi-même tu as tellement de charges que tu veux être vraiment plus riche que riche, Dieu peut te comprendre. Mais il y a des conditions.
Obéis à ce que je vais te donner, les commandements de Dieu. Lis Deutéronome 28. Tu vas te dire ce qu'il faut dire. Il faut que tu saches. Mais ne tombe plus dans les pièges du diable. Parce que quand le diable te tient un piège comme ça, tu tombes là-dedans, tu vas devenir riche, non? Mais ce ne sera pas suivi d'aucun chagrin. Mes frères et sœurs, faites vraiment attention. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner et de vous préparer à la prochaine vidéo. Nous espérons qu'il y aura beaucoup de partages cette fois pour cette vidéo, beaucoup de j'aime et beaucoup de personnes qui s'abonneront pour ne pas manquer juste les prochaines vidéos. Un témoin puissant pourrait apparaître dans les heures qui vont venir. Vous pouvez aussi être connecté. Et quand vous abonnez, cliquez sur la cloche pour ne pas manquer la notification. Ce sont les notifications qui vont permettre de savoir si nous voulons nous faire sortir une nouvelle vidéo. Soyez prêts, mes frères et sœurs. Prenez soin de vous et ne tombez plus dans de tels pièges. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous.